à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez été nombreux à profiter de faire du ski et de la luge. Regardez ces beaux paysages enneigés en était la raison. Eh bien, sachez que c'est fini parce que les centres de sport d'hiver sont fermés depuis ce matin. C'est le dégel qui prend place. Et tout ça, c'est dû à un flux océanique, à cette dépression, vous la voyez ici, qui est accompagnée d'un front chaud. Et donc, ça fait monter le thermomètre pour les jours suivants. Alors, cet après-midi, on s'attend à avoir des précipitations, surtout sur la moitié nord-ouest du pays. Partout ailleurs, ça devrait rester plutôt sec, même si on n'écarte pas totalement une petite ondée. Et puis le ciel restera gris avec 9 degrés prévus au littoral, 10 degrés sur Bruxelles, sur Liège, 9 à Durbuy et de 7 à 8 degrés, c'est en Ardennes. D'ici 20 heures, on devrait connaître une accalmie et puis pour cette nuit, ce serait le retour des précipitations, surtout par l'ouest et donc ça devrait rester sec quand même sur la moitié sud-est du pays. Et regardez, les températures quant à elles vont varier de 5 à 9 degrés. Alors pour la journée de demain, prenez une veste de pluie, un parapluie parce qu'on s'attend à avoir une journée plutôt pluvieuse, vous le voyez, avec un ciel couvert, quelques éclaircies par moment, par endroit, mais franchement, le soleil sera timide. Et puis niveau mercure, eh bien, on attend 11 degrés à Ostende, 11 à Gand, à Bruxelles, à Liège, 10 degrés, vous le voyez, c'est à Durbuy, mais aussi à Namur, et de 8 à 9 degrés, c'est en Ardennes. Alors, rapide coup d'œil aux trois prochains jours. Pour mercredi, c'est encore incertain, mais le temps devrait rester plutôt sec. Peut-être quand même quelques gouttes par endroit, et puis un maximum de 10 degrés. Et puis pour jeudi et vendredi, même tendance, des éclaircies par endroit, par moment, des précipitations et puis respectivement un maximum de 12 degrés pour jeudi et 13 pour vendredi. Alors demain, nous fêtons Théophile. Très belle fête à vous si vous nous regardez. Bonne fête aux Théophiles que vous connaissez. Le soleil se lèvera à 8h42 et se couchera à 16h38. Et on va se quitter sur cette photo prise sur Twitter qui a été publiée par Cédric Schell. On y voit un lever de soleil dans le massif de la Forêt-Noire. Très belle journée sur LN24.